bless our children. Shalom, shalom. Que Dieu bénisse nos enfants. Shalom, shalom. Bienvenue à l'Église messianique luthérienne. La semaine dernière, c'était une semaine très occupée au niveau des nouvelles mondiales qui confirment une fois encore comment nous sommes proches du retour du Seigneur. L'antisémitisme est toujours de retour aux nouvelles, souvent, de plus en plus même. Et selon le journal Times of Israel, ça a augmenté de 74% en 2018. Ce qui a fait que le président de France, Emmanuel Macron, a dit que ça n'a pas de bon sens, c'est inacceptable. Plusieurs Juifs dans la région de Paris ont reçu des lettres leur disant « Vous devriez partir ou on va vous tuer ». Même en Allemagne, ça a augmenté de 10% de l'antisémitisme, 1646 crimes contre les Juifs. C'est un peu comme les nazis. Ça a commencé doucement, tranquillement, mais graduellement, c'est devenu finalement quelque chose qui était partout. Et on voit que de plus en plus dans le monde, l'antisémitisme grandit. On voit que dans des textes comme Zacharie 12 à 14 et Apocalypse 12, on parle des temps de tribulation et même qu'il y aura comme un deuxième holocauste encore à ce moment-là, parce que les gens seront contre les Juifs, finalement. Et la semaine passée, à Warsaw, un endroit, il y a eu une réunion avec plusieurs nations pour discuter de la menace de l'Iran. Et donc, il y avait dans plusieurs nations arabes et il y avait aussi Israël, ce qui est exceptionnel. Autour de la table, il y avait des chefs de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et Bahreïn, en même temps que l'État d'Israël, et tout ça contre la menace de l'Iran. Parce que nous savons que derrière l'Iran comme tel, il y a aussi la Russie, la Turquie et beaucoup d'autres alliés à ces gens-là. Donc on voit dans Ézéchiel 38, ils sont mentionnés que bien qu'Ézéchiel 38 soit après l'enlèvement, on voit qu'il y a plusieurs guerres qui arriveront à ce moment-là et la grande tribulation. Durant ce meeting, Benjamin Netanyahu a dit que c'était un point historique important, majeur. Et le vice-président des États-Unis, Mike Pence, a dit que, d'après lui, le monde entrait dans une nouvelle ère. Mais ça fait longtemps que le monde est entré dans une nouvelle ère, parce que nous voyons semaine après semaine, le Seigneur se rapproche. Et, Simon et Grégory sont en Angleterre présentement, et prions pour eux qui sont là-bas. Ouvrons nos Bibles dans Jacques chapitre 1. Nous allons voir les premiers versets ce matin. Est-ce que quelqu'un peut simplement dire « Moi, je crois en Dieu » et s'en aller faire qu'est-ce qu'il veut avec sa vie? Est-ce que ça fonctionne comme ça? C'est contraire à l'enseignement de la parole de Dieu, ce que nous venons de dire, parce que c'est pas juste de croire comme ça, mais c'est une façon que Dieu nous a donnée pour que nous soyons vraiment enfants de Dieu. Une vraie conversion donne des fruits. Et c'est ce que Jacques veut nous parler, surtout dans son épître, dans sa lettre. Et Jacques nous en parle parce qu'il y a tellement d'abus de cette espèce de facilité qu'on a juste à croire et faire après ça ce qu'on veut avec notre vie. Et pourtant, Jacques nous dit non, n'oubliez pas que pour les chrétiens, il va y avoir des épreuves. Donc, nous ne sommes pas dans un monde parfait, nous ne sommes pas dans un jardin de roses, mais il y aura, Dieu nous promet, des grandes victoires. Et par contre, les victoires ne peuvent être que le résultat de l'obéissance et de vivre selon ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Donc, sans
une vie qui est sans prière et sans la parole de Dieu ne peut pas faire ces choses, ne peut pas être joyeux dans les épreuves et même accepter les épreuves. Donc, ce n'est pas seulement d'avoir une croyance intellectuelle avec pas de fruits, aucun fruit et rien qui change dans notre vie. C'est plus que quelque chose d'intellectuel. C'est une vraie foi qui nous donne une vraie vie et qui fait qu'on veut devenir comme notre Père Céleste qui nous a donné cette nouvelle vie. Donc, une fois que nous sommes croyants, la Bible nous dit que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et c'est pour ça que Jacques demande finalement dans sa lettre, où est-il dans votre vie? Parfois, je ne le vois pas. Donc, il leur demande, il leur dit, vous devriez comprendre ce qu'est la joie de vivre pour le Seigneur. Après tout, Dieu est d'amour, et donc ça devrait se voir dans la vie des gens qui lui appartiennent, dans la façon que la personne prend soin des autres, dans la façon qu'elle vit sa vie, dans la façon qu'elle retient sa langue, dans la façon qu'elle retient sa colère. Jacques va nous parler de tout ça. Donc, parce qu'il y a souvent la confusion entre qui est un chrétien et qui n'est pas un chrétien. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour les mauvais motifs, pour être en communauté, pour rencontrer des gens, mais ce n'est pas la vraie raison pour venir à l'Église. C'est d'être imprégné de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons venir à l'Église, et pas pour d'autres raisons. Donc, on voit que la vie qui nous est présentée dans la Bible, c'est une voie étroite. C'est une voie pas comme tout le monde et où il y aura des épreuves. Mais par contre, c'est là droit où Dieu pourra nous bénir et nous soutenir et nous donner la vraie joie que donne l'obéissance dans ce que Dieu nous demande de faire. Donc, cette lettre-là n'est pas écrite pour nous dire comment le monde est méchant à l'extérieur. Cette lettre n'est pas écrite à l'ivraie. Mais est écrit au blé, est écrit aux vrais croyants pour qu'ils changent leur vie et qu'ils vivent selon le Seigneur et portent du fruit selon le Seigneur, qui a dit lui-même qu'il était la vie, le chemin et la vérité. Donc, commençons par le verset 1 de Jacques. 1 à 4. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Donc, on voit que Jacques, ici, commence par un intéressant jeu de mots, joyeux même, il dit. Au verset 1, il dit « Salut ». Et au verset 2, il se sert, on ne le voit pas dans notre traduction, mais il se sert du même mot au verset 2 pour démontrer la diverse épreuve de joie complète. Voyez-vous, alors c'est le même mot qui est utilisé. Jacques fait un jeu de mots qu'on voit en grec, mais pas en français avec ces mots-là. Donc on voit que cette grande joie, c'est d'être certain d'être avec Jésus pour l'éternité. Et Jacques, on a vu la semaine dernière que son vrai nom, c'est Jacob, en fait. Il se sert des mots pour nous montrer d'où vient notre joie. Il dit « considéré comme un sujet de joie complet ». Donc, c'est d'évaluer, de penser à ça et de calculer même ce que le Seigneur a fait pour nous, nous emmène automatiquement de la joie et nous aide à continuer. Donc, c'est à un moment donné, on a tellement une joie qui nous dépasse. Et c'est ce que Jésus nous a dit, que sa joie dépassait celle que nous pourrions expérimenter autrement.
de par nous-mêmes ou de par le monde. Donc, de considérer comme une joie complète ouvre cette épître de Jacques à de merveilleuses choses qu'il va nous dire par la suite, mais il nous parle de la joie malgré les épreuves. Donc, comment on peut avoir de la joie en même temps que les épreuves? Ça semble contradictoire dans ce que nous connaissons habituellement. Mais Jacques lit ensemble la joie et les épreuves. Donc, on voit que c'est un paradoxe. Un paradoxe, c'est un énoncé, une phrase, un énoncé qui semble contradictoire. Mais pourtant, ça amène une réflexion et Jésus s'en sert souvent pour démontrer certaines valeurs. Jésus lui dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est un paradoxe. Si quelqu'un veut être le premier, Jésus nous dit qu'il doit être le dernier de tous et serviteur de tous. Il dit ailleurs, Jésus, celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Celui qui la perdra, la retrouvera. Donc, on voit ici un autre paradoxe où Jésus a dit aussi, Paul dit par rapport à Jésus, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc, on voit que nous sommes dans un système de valeurs qui nous enseigne le contraire de ce que la Bible nous enseigne. Parce que de toute façon, que nous soyons un chrétien ou non, on aura des épreuves dans cette vie. Mais c'est beaucoup mieux d'être avec le Seigneur parce que les épreuves que le Seigneur permet que nous ayons dans notre vie sont taillées sur mesure pour nous. Sont un test, on va voir dans le contexte de ce matin, c'est un test, mais préparé parfaitement pour Dieu, qui va pas au-delà et qui nous demande quand même de subir ce test pour voir où est notre foi, où est notre persévérance. Et on voit dans un texte, dans Acte 5, ils ont battu Pierre et d'autres apôtres et ils leur ont dit de ne pas parler au nom de Jésus. Dans Acte 5, ils se rangèrent à son avis et attaquant les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. En grec, on voit le mot « dero ». C'est vraiment de battre fortement, de battre durement. Donc, comme s'ils battaient avec un fouet ou un bâton. Mais on voit que, quand ils sont sortis de là, ils n'étaient pas pleins de vengeance ou de colère, mais avec joie. Est-ce que ça a du bon sens pour nous? Donc, on voit que c'est vraiment de par Dieu seulement qui peut nous créer ça en nous. Pourquoi? Parce que il faut arriver à voir comme Dieu veut que nous voyions ces épreuves. Et il nous dit dans Hébreux 12 d'avoir les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, on voit la souffrance que Jésus a subie, c'était la pire, la plus intense qu'un humain pouvait vivre, pouvait expérimenter. Pourtant, Jésus avait les yeux sur la joie qui était à venir. Parce que Jésus voyait la joie qu'il aurait en étant avec chacun de nous, croyant avec lui. Et c'est une des raisons, c'était un focus pour lui, c'était là où il concentrait son regard, où il concentrait sa vie, c'est vers cette joie d'être avec ses enfants, avec lui, dans le royaume du Père. Après environ 400 ans avant que l'épître de Jacques soit écrit, il y a des philosophes grecs qui pensait qu'on pouvait atteindre un certain degré de joie qui, à travers les circonstances, pouvait nous aider, même à travers la souffrance. Ils appelaient ça l'hédonisme.
qui vient de deux mots qui veut dire joie et plaisir, ou jouissance et plaisir. Et donc, Jacques vient nous montrer que la vraie joie, la vraie persévérance, la vraie, vraie joie vient même à travers les épreuves, mais quand nous sommes avec le Seigneur. Donc, il y a la joie par elle-même, comme par exemple dans Galates 5, 22, qui nous dit que le fruit de l'esprit est la joie. Il y a aussi l'abondance de la joie. On voit dans 2 Corinthiens 8, 2, qu'il y avait une église en Macédonie, pauvre, affligé, et ont envoyé des cadeaux, des présents, de l'argent à la congrégation de Jérusalem, et le Seigneur leur a donné une abondance de joie. De plus nous donnons, plus l'Esprit de Dieu va nous donner une joie qui ne pourra pas nous être enlevée par quoi que ce soit dans ce monde, parce que ça vient directement de Dieu. Il y a une autre joie, c'est la joie ineffable, la joie dont on ne peut pas vraiment exprimer ce que c'est. Dans 1 Pierre 1, 8, on voit que cette joie nous sera donnée lorsque nous verrons Jésus face à face. Avez-vous déjà pensé à la journée où vous allez voir Jésus face à face? Pour tous les croyants, c'est une joie qui ne peut pas s'exprimer, pleine de gloire. Et un jour, on va expérimenter ça pour ceux qui ont cru à Jésus dans son sacrifice pour nous. Un peu comme Marie-Madeleine, qui ne voulait pas le laisser aller. On va être comme ça quand le Seigneur va venir le chercher. Peut-être ce soir, ou peut-être même avant que j'aie fini ce serment. Et il nous dit que quand on sera avec lui, il y aura une joie qui dépassera toute chose, comme Pierre nous dit dans 1 Pierre 4, 13. On ne peut pas aller plus haut que ça. Il dit, continuez de vous réjouir. Et c'est ce que Paul nous dit aussi dans Philippiens, réjouissez-vous. Donc, c'est cette joie qu'on peut avoir maintenant en partie et qu'on expérimentera totalement lorsque nous serons dans la présence du Seigneur. Donc, c'est cette joie-là aussi que Jacques parle. C'est la joie qui est complète à travers les différentes difficultés, les épreuves à laquelle nous sommes exposés. Donc, on voit que la joie vient qu'à d'une abondance de joie, vient de l'obéissance envers le Seigneur, parce que la joie vient de notre proximité avec le Seigneur. Il y a un philosophe allemand bien connu, Friedrich Nietzsche, qui a dit un peu de façon ironique par rapport aux chrétiens, il dit, moi ça me tenterait de devenir chrétien si au moins les chrétiens avaient l'air plus heureux de l'être. C'est sûr que c'était une excuse pour pas croire, mais quand même, il avait remarqué que les chrétiens n'ont pas l'air si joyeux autant qu'ils devraient l'être. Et ces épreuves-là sont de différentes sortes. Et ça pourrait même être traduit qu'il y a plusieurs teintes, ou il y a plusieurs facettes à ces épreuves-là. Mais à travers les différentes épreuves, il ressort une vie transformée et une vie éclatante pour le Seigneur. Et c'est là où, avec le temps, Dieu fait un travail en nous qui finit par transparaître, et cette joie-là finit par se démontrer aux autres autour de nous. Versets 3 et 4, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Voyez-vous comme la progression, il y a la joie, les épreuves et la patience. Donc, on voit que tout ça commence par la foi. On voit souvent dans l'épître de Jacques, 14 fois on parle du mot foi. Et là, ça commence, c'est la première mention que de la foi qui produit la patience. Donc,
La foi est quelque chose que Dieu nous donne, mais que nous devons, nous, dans notre vie, expérimenter chaque jour, à chaque moment, comme une plante qu'on commence par un simple grain et finalement ça devient une plante, mais il faut la nourrir, il faut y faire attention, il faut lui donner de l'eau à chaque jour. Donc, on a toujours des tests à notre foi comme ça. Pourquoi Adam et Ève ont été testés par l'arbre de connaissance de l'arbre de vie du bien et du mal? C'est que l'humain n'est pas un robot qui n'a pas le choix d'aller à gauche, à droite, ou de croire cette façon-ci ou non. Dieu a fait l'homme à son image, avec des choix, avec afin de pouvoir avoir une communion avec les humains. Dieu nous a créés à son image et ensuite a envoyé son Fils pour nous sauver, que nous soyons avec lui. Nous ne sommes pas des robots, nous avons des choix à faire, des choix à mettre en œuvre cette patience, cette foi qui donne cette joie. Comment est votre foi? Est-ce qu'elle grandit chaque jour? C'est un peu ce que Jacques nous demande. J'ai entendu une illustration d'une femme qui voulait, qui recevait de la famille et qui a dit, je vais sortir mon set d'ustensiles en brasse, finalement en argent. Et là, c'est aperçu, elle a dit, mais il est comme tout taché parce que je l'utilise pas assez souvent. Si je l'utilisais tous les jours, j'aurais pas ce problème-là. Tout serait vraiment brillant. C'est un peu l'image que nous avons, que nous pouvons appliquer dans la parole de Dieu. À force d'être dans la parole de Dieu, nous sommes capables d'expérimenter cette joie. Donc, on voit que cette joie est pour un certain temps pour nous aider à mieux comprendre la situation et mieux se tenir près du Seigneur pour avoir une meilleure communion avec lui. Donc, le test de notre foi produisent pour nous quelque chose dans notre vie future et dans notre vie présente aussi, bien entendu. Quand les épreuves arrivent, nous avons à mettre sur nous notre armure de la foi pour continuer d'avancer. Donc, il dit quand vous êtes dans différentes épreuves, c'est là qu'on apprend à se confier au Seigneur, d'avoir une perception de l'épreuve qui n'est pas négative, mais qui peut servir à Dieu pour nous transformer pour le mieux. Donc, c'est quelque chose, une épreuve qui est là pour nous préparer dans notre futur éternel. Paul dit dans 2 Corinthiens, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Paul ici parle du mot « affliction » au singulier, comme s'il les mettait toutes les afflictions dans un seul panier, si on veut, et voir que le poids de tout ça nous donnera un poids éternel de gloire. Donc, ces tests produisent de l'endurance ou de la patience, le texte nous dit, et d'un esprit ferme, un esprit certain de ce qu'il veut faire, un esprit fort, un caractère indépendant, même charismatique, dans le sens que les gens sont attirés vers ces qualités, et ces qualités qui nous viennent de Jésus lui-même. Donc, il y a plusieurs synonymes dans la Bible, dans la patience. Et nous allons voir une patience active ici, dans Hébreux 12, 1. Parce que souvent, on pense à la patience comme quelque chose qui ressemble peut-être à quelqu'un assis sur un sofa, en train d'être patient puis d'attendre. Mais c'est vraiment pas ça que la Bible nous dit dans ce texte-là. Dans Hébreux 12, 1, il nous dit « Courons avec persévérance. » C'est le même mot que « patience » dans le fond, dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, c'est une patience ou une persévérance active pendant qu'on court cette fameuse course qui est devant nous. Donc, c'est
C'est ce que Jacques nous dit, de devenir endurant, patient et de continuer, de rester dans la course. Quand je pense à l'endurance, j'ai une image que je veux vous apporter. En 2010, une femme de la Corée du Sud a démontré que l'endurance et la persévérance, ça finit par payer. Elle a essayé 960 fois une femme qui s'appelait Cha Sa-soon, de 69 ans, qui passait tous les tests et à chaque fois, ben, ça fonctionnait pas. Ça a pris 10 fois, elle a lu, elle a pratiqué son test écrit pour passer son test, son permis de conduire. Et un coup que ça a été fait, après plusieurs essais, après 10 essais, finalement, elle s'est mise à pratiquer afin de passer le test de la pratique. Donc, finalement, elle voulait simplement faire des affaires avec sa fille, bâtir un commerce, mais elle avait besoin d'une auto. Donc, avec persévérance, elle est allée pendant des mois pour aller jusqu'à, même jusqu'à au bout de 5 ans en tout, pour tout faire pour passer son permis de conduire. Donc, c'est vraiment un exemple de quelqu'un qui, après 950 fois, a continué pour enfin avoir le permis qu'elle voulait avoir. Donc, on voit que cette endurance biblique, on a des termes parfaits, complets et ne manquant de rien. Il y a un monsieur qui a dit, c'est pas parce que on est vieux dans la, on a un âge de vie chrétienne X qu'on a la maturité qui va avec. Beaucoup de gens vieillissent dans la vie chrétienne dans le sens de nombre des années, mais parfois il n'y a pas de maturité. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut amener l'expérience de notre vie, nous emmener dans la joie et dans l'obéissance de plus en plus vers Dieu. On va aller voir ces gens, on va aller voir dans certains textes. Jésus nous parle de quel est vraiment le but dans la vie pour la maturité. Jésus a dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est la loi. C'est ce que Dieu nous dit. C'est une façon de nous réveiller. Comme votre Père céleste est parfait. Voyez-vous le standard, comment il est haut? Premièrement, il n'y a aucune façon qu'on peut être exactement comme notre Père céleste est, puisqu'il est parfait, etc. Et nous sommes imparfaits. Mais ce qu'il nous dit, c'est d'être parfait comme notre Père céleste est parfait et de tout faire pour que on comprenne et qu'on vienne à expérimenter que ces épreuves-là nous rendent plus persévérants, plus patients, donc plus parfaits, plus complets. Donc, on voit ici dans le texte comment l'auteur nous parle qu'un chrétien complet, un chrétien mature, combien il y a de, on voit les bénédictions dans sa vie, on voit la fermeté de son caractère. Aristote utilisait ce mot pour décrire une âme, si on veut, ou une personne qui avait une âme intelligente, celui qui faisait le bien et qui était droit dans sa façon de fonctionner. Donc, on ne peut pas atteindre la perfection sur cette terre, hein, mais on peut certainement atteindre un degré de maturité plus grand en obéissant à ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, le mot complet, on voit dans le mot grec que c'est vraiment quelque chose qui veut dire complet, total, et un héritage aussi, qui veut nous dire. Regardez dans le texte de Abdias 1.17, il nous dit que la maison de Jacob possédera ses possessions. Parce qu'avant, la maison de Jacob n'a pas eu complètement ses possessions, totalement, mais on voit qu'à travers une persévérance, finalement, Israël deviendra complet de par ses possessions. Il aura tout ce que Dieu lui a promis un jour qu'il aurait.
Mais on voit dans le texte qu'il dit qu'il ne manquera de rien. Et on voit que ce texte-là, dans certaines traductions, nous montre de manquer de rien. C'est comme parfois quand on voit une armée qui est défaite sans même qu'il arrive aucun combat. C'est un peu l'image, c'est un peu le texte qui nous dit « Ne manquerez de rien », on va dire que dans le combat, on réussira à avoir la paix, comme Dieu veut qu'on ait la paix. On voit ici un croyant mature. C'est l'anatomie d'un croyant spirituel ou mature, la joie, les épreuves. La foi qui est testée, qui est éprouvée, ça produit de l'endurance et finalement, ça produit de la maturité spirituelle. Comment pouvons-nous avoir cette joie et d'avoir un aussi haut degré de persévérance et de patience? Jacques nous le dit très simplement, demandez à Dieu. Premièrement, connaissez-vous Dieu? Deuxièmement, qu'est-ce que vous lui demandez? Jacques dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Simple comme ça. C'est comme s'il disait, ben, c'est t'accepter Jésus comme ton sauveur personnel. L'Esprit de Dieu, le roi Kodesh, qui a créé les cieux et la terre, avec seulement sa parole, maintenant habite en toi. Donc, tu n'as qu'à demander à Dieu. Maintenant, tu es en communion directement. Est-ce que tu parles à Dieu? Est-ce que tu ressens sa présence quand tu pries? Est-ce que Dieu est réel dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais avec le salut que Dieu t'a donné? Jacques, on l'avait surnommé les genoux de chameau. Pardon. Tellement qu'il était souvent dans la prière à genoux. Il avait les genoux bancals, ou en tout cas, il avait un problème de genoux. Et on l'a appelé genoux de chameau. Et c'est ce que la tradition nous dit, en tout cas. Mais il connaissait la valeur et la puissance de la prière. Et qu'est-ce qu'on demande à Dieu? La sagesse. La sagesse, c'est de dire à Dieu qui a créé les cieux et la terre que sans toi, je ne peux pas vraiment faire ce que tu aimerais que je fasse. Je te demande juste une minute, une petite partie de ta sagesse pour pouvoir passer à travers ces épreuves dans ma vie et de faire les bonnes décisions dans ma vie. Pour les Grecs, à ce temps-là, la sagesse était alentour de la connaissance et de l'intelligence. Mais ce que Dieu nous apprend ici, tu n'as pas besoin d'aller à l'école, pas besoin d'aller à l'université. C'est une façon d'apprendre à vivre la foi, d'apprendre à vivre avec le Seigneur, l'Esprit qui vit en nous, d'apprendre à vivre la vie chrétienne. On voit, il y a deux genres de sagesse. Une qui vient d'en haut et une qui vient de nous-mêmes ou de ce monde ou de ce système dans le monde dans lequel nous sommes. Parce que Paul dit dans 1 Corinthiens, la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Et il dit, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Donc, on voit qu'il dit, demandez la sagesse de Dieu pour vous aider dans vos problèmes, dans vos décisions. Et on voit que Jacques ou Jacob, si on veut, donne une illustration très puissante pour nous montrer qu'il faut demander comme il faut. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et résolu en anglais est souvent traduit double. Donc,
Jean qui nous dit de, quand on prie, il ne faut pas douter, il faut croire. Dans le mot doute, dans le fond, douter, il y a un côté, douter c'est entre la foi et décider de ne pas croire. Imaginez une balance. D'un côté, vous avez le doute. On va appeler plutôt la balance le doute. D'un côté, vous avez la foi et de l'autre, de ne pas croire. Donc, on voit que les doutes sont souvent des flèches de l'ennemi qui essaie toujours d'envoyer notre balance du côté de ne pas croire en Dieu. Mais plus qu'on prend ces choses au sérieux et on est protégé par Dieu et qu'on se confie à Dieu, plus la balance va pencher du côté de la vérité lorsqu'on met à la cuirasse l'armure de la vérité, etc. Sharon et moi, quand on était des jeunes croyants, on était souvent confrontés par ce qu'on appelle des anti-missionnaires qui veulent nous faire perdre la foi ou nous décourager dans notre nouvelle foi. Mais eux autres, c'est des semeurs de doute. Ils arrivent avec toutes sortes de fausseté, qu'eux autres même parfois croient, des fois non, juste pour nous troubler. Mais plus qu'on était confronté, plus qu'on devait chercher dans la parole de Dieu, plus qu'on sentait la parole de Dieu avec nous, et donc on pouvait les confronter, et même il en ressortait de la joie, malgré leur opposition, et ça créait en nous de la joie, et de la persévérance, et de la patience. Donc, le mot « doute » vient d'un vieux mot « douten » ou « duten » qui veut dire d'avoir peur, d'avoir peur de craindre quelque chose. Donc, le doute en lui-même n'est pas si pire parce que on dit que le doute cherche la lumière. Et le non-croyance dit « je ne veux pas croire, je décide de ne pas croire ». Et la non-croyance est heureux dans les ténèbres. Alors que le doute cherche à le doute sincère, dans le fond, cherche à trouver la vérité, trouver la lumière. Donc, il y a des gens dans les actes qu'on voit dans les disciples de Béry qui réexaminaient ce que Paul et Silas leur enseignaient, mais pourtant, c'était Paul et Silas. C'était pas n'importe qui, mais ils allaient quand même vérifier dans la parole de Dieu ce qu'ils avaient été, ce qui avait été dit par ces gens-là. Donc, on voit que les gens de Béré ont été cités en exemple par Paul pour montrer que c'est ce qu'il faut faire, chercher dans la parole ce qui nous est enseigné, si c'est vrai ou non. Donc, il faut pas faire ce que Jacques nous dit, d'être agité par le vent, d'être un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, de ne pas être une personne comme ça. Donc, quelqu'un qui ne marche pas dans le Seigneur, c'est un homme double, inconstant dans toutes ses voies, semblable au vent agité par la mer. Donc, on voit quand on décide de suivre le Seigneur, la vie est toujours plus facile, malgré des épreuves difficiles et compliquées. Le mot « double » ou en français qui est traduit « irrésolu », c'est le mot « psoukai » en grec, dipsikos plutôt, et qui veut dire le mot « dix », qui vient de la racine DIS, 10, qui veut dire 2, et psoukani, qui veut dire la vie, le souffle de vie. Comme quelqu'un qui a qui a de la misère à respirer,
dans le fond, c'est l'image de quelqu'un qui a, on dit des fois, un pied dans le monde et un pied dans le royaume de Dieu. Donc, imaginez-vous un bateau sur une mer tumultueuse avec des grandes vagues et celui qui ne prend pas ses doutes au sérieux est capable de demeurer dans la tempête droit et passer à travers. Et c'est ce que la Bible nous dit dans ces versets-là. Maintenant, dans les versets suivants, versets 9 à 11, on arrive à un autre sujet. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Donc, on peut se demander qui est le pauvre et qui est le riche, selon ce que Jacques dit. Et pourquoi parler de ça à ce moment-ci, de pauvre et le humble, de condition humble? Parce que, voyez-vous, au début de l'Église, tous les croyants partageaient ensemble leur richesse. Et c'est ce que nous allons voir dans le texte de Actes 4. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Donc, on voit qu'il n'y avait personne de pauvre ou de riche à ce moment-là parce que tout le monde partageait tout. Et donc, qui sont les riches de qui Jacques parle? Ça ne peut pas parler non plus des églises de gentils, parce qu'on voit qu'il y avait très peu de ces églises-là qui étaient en train de se former peut-être, mais ils n'étaient pas formés complètement, donc ce n'étaient pas ces églises-là qui devaient être riches. À Éphèse et à Colosse, Paul parle de leur amour pour tous les saints. Et c'est pour ça qu'il félicitait les Thessaloniens et les Galates. Donc, on voit que ça devait être les riches, devaient être des Juifs du côté grec qui sont devenus croyants à la Pentecôte. Parce qu'on a plusieurs nations qui sont nommées dans le texte de Actes 2. Et à travers leur conversion, et ils devaient, à ce moment-là, ils sont arrivés avec leur richesse. Et on voit que dans Acte 6, il y a une dispute entre les Juifs hellénistes, qu'on appelle les Juifs grecs, et les Juifs hébreux. Les Juifs hellénistes, les Grecs, se plaignaient qu'ils n'étaient pas traités équitablement comparés aux autres. Et pourtant, ce qui est arrivé, c'est que finalement, ils ont été ensemble avec les diacres qui ont pu les aider chacun de leur façon. Mais on voit qu'au départ, il y avait comme une division entre deux groupes de Juifs. Et là, maintenant, on voit que l'importance, c'est d'être ensemble. Et on voit que Jacques parle qu'à travers les riches, il y avait deux genres de personnes. Il y avait des riches croyants et il y avait des riches non-croyants. On voit, il dit que le riche, que le frère de condition humble doit regarder de condition humble doit se considérer riche pour Dieu et celui qui est riche pour Dieu doit se considérer être humble devant Dieu et faire des choses en fonction d'être humble devant Dieu. Donc on voit encore le paradoxe que le frère de condition humble se glorifie de son élévation et inversement pour le riche se glorifie de son humiliation. Donc, les deux sont d'une même source, d'une même racine. C'est que le riche doit en donner un peu plus pour que tout le monde soit plus égal dans sa condition. Ça fait penser au mot doulos, qui veut dire un serviteur obéissant, humble, un des plus bas dans l'échelle des esclaves, pour nous montrer comment on doit être pour être dans la volonté de Dieu.
J'ai lu une histoire à propos de, des gens qui ont grimpé une montagne pour arriver jusqu'en haut. Et parmi leurs rangs, il y avait un nouveau, quelqu'un qui n'avait jamais monté encore. Et la première fois qu'ils sont arrivés en haut, finalement, celui qui n'avait jamais monté avant s'est levé debout et a dit « Yes, j'ai réussi ». Et pendant qu'il était en train de faire ça, tout de suite, il y a eu un grand vent et il est presque tombé en bas du précipice de la montagne. Les gens qui ont monté plus souvent leur ont expliqué à chaque fois que tu arrives en haut d'une montagne, tu te mets pas debout, tu te mets sur tes genoux pour éviter que le vent te débarque de la montagne et que tu tombes en bas. Donc on devrait se rappeler qu'après chaque épreuve où on gagne grâce à Dieu, on ne doit pas se péter les bretelles, se croire très bon. C'est un peu l'image que cette illustration voulait apporter. Pour conclure, la lettre de Jacob ou de Jacques, on voit dans la passion de cette lettre qui nous dit que malgré et à travers plusieurs problèmes que les chrétiens vivaient dès ce moment-là, et même aujourd'hui, qu'on est capable, par le Seigneur, de passer à travers ces épreuves et que ça crée en nous une persévérance, une patience, une joie et finalement une maturité. Donc, on voit sur quoi Jacques se concentre, c'est sur la maturité spirituelle de chaque croyant. Donc, c'est pas comme Jacob nous a écrit à travers plusieurs sujets. Il y a très peu de sujets finalement dans la lettre de Jacques, dans le fond, mais il y a toujours cette idée de la spiritualité, de la maturité spirituelle, pardon. Donc, Dieu nous a donné la joie avec une grande espérance en nous disant qu'on va être avec lui et n'importe quel moment, maintenant. Dieu nous donne la sagesse d'être capable de passer à travers et nous dit de lui demander aussi quotidiennement sans douter. Et Dieu nous a donné la puissance de la prière, qui est une ligne directe à son trône. Et il doit se demander pourquoi on ne demande pas plus, davantage, et non d'une façon double sans y croire. À travers les épreuves, de ne pas être double, irrésolu, mais d'être parfait, complet, et de croire toujours en ce que Dieu nous donne. Prions. And the God of our father, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God who is great, powerful, and revered, the God most high, the Lord of heaven and earth, our shield, and the shield of all believers, the God who increases our faithfulness through trials and testing to make us better, to bring us closer to him. Blessed are you, O Lord, for you are our shield, and you nourish us with your word by giving us wisdom also. Blessed are you, O Lord, who gave us everlasting life. You are holy, and your name is to be revered. There is no God other than you. Blessed are you, O Lord, holy God. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Amen. May the Lord bless you all.